ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سبحان الله, regardez les gens de ce bas monde, comment ils se donnent du mal pour des choses qui n'ont aucune valeur. On les voit entrer en compétition, se priver de nourriture, s'entraîner tous les jours pour après soulever une coupe. Ils courent comme ça partout, ils crient, tout le pays il est content, tout le monde, Allahu Akbar, on dirait que c'est, je sais pas, on dirait on leur a annoncé qu'ils entrent tous au paradis, biri li hisaban wal adab. Où sont les préceptes de l'islam de nos vies? Combien de temps, combien d'argent on perd dans le haram? Combien d'obligations on délaisse? Combien d'interdits on fait? Et après on va en perdre notre temps, on est content parce que quelqu'un a tiré un ballon d'un côté du terrain à l'autre côté du terrain. Il y a tellement de méfaits dans cela. Donc barakallahu fikoum, ne perdez pas votre temps avec ça. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala, faites un rappel à tous ceux que vous connaissez, vos amis, vos familles. Comme il disait Cheikh Al-Albani rahimahullah, aqimu dawlat al-islam fi qulubikum, yuqimuha Allahu lakum fi ardikum. Établissez l'état de l'islam dans vos cœurs, Allah va vous l'établir sur votre terre. Pratique-toi sur toi, sur tes enfants. La plus petite cellule de la société, la famille. Ce qu'il y a dans un peuple ne changera pas tant qu'il ne change pas ce qu'il y a en eux-mêmes. Tu veux te concurrencer? Qui est le plus fort? Bismillah, c'est parti. La compétition est commencée depuis le jour où tu as atteint ta puberté, où tu as ta raison, jusqu'à ta mort. On va voir qui va gagner d'entre nous. La compétition, elle est partie. On va voir qui va avoir les plus hauts degrés. C'est parti. C'est en cela qu'on doit se concurrencer. Pas dans les choses futiles de ce bas monde, pas dans l'argent, pas dans le sport. Toutes ces choses, si quelqu'un le fait dans le halal, pour se détendre, pour aider dans sa religion, là, ben, tant que le sport est autorisé, dans les règles autorisées, il n'y a pas de mal, au contraire, il renforce son corps pour des bonnes choses, pour l'adoration d'Allah. Mais aller en faire un hobby, aller en perdre son argent, son temps, sa raison, sa religion dans ces choses-là, ça c'est grave. Donc, barakallahu fikoum, ne perdez pas de temps avec des futilités. La concurrence, elle se fait dans les œuvres de l'au-delà. Elles sont connues, les bonnes œuvres. Il faut juste lever ses manches et travailler. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.